résumer de ce moment de dernier public. Et le procès aura lieu le 11. Ils ont été placés le 11 de quel mois? Le 11 de ce mois. Le 11 devant la chambre. Une des chambres. Donc, nous protestons contre cette façon de faire. Vous savez, dans notre pays, nous avons toujours dénoncé l'injustice. Nous sommes allergiques à l'injustice. Nous comprenons que nous avons affaire à une procédure expéditive et punitive. Nous nous défendons tous les citoyens guinéens qui sont en conflit avec la loi. Nos clients partent en prison à l'instant, mais nous pensons qu'ils ne méritaient pas d'être en prison parce qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Ils sont combien maîtres? Quels sont ceux qui sont partis? Quatre, le Premier ministre Kassori, le ministre Yanné, Oye Gilavogui et le ministre Zakaria Koulibaly. Quelle est la suite? C'est le lundi, le procès. Mais qu'en est-il du cas de Damantan Albert et autres? Non, nous ne sommes pas saisis de cela pour le moment et on vous remercie. Mais nous sommes révoltés face à l'injustice et à l'humiliation qu'on a infligée à nos clients en les envoyant en prison. En tant qu'avocat, nous continuons à faire le travail. C'est un collectif. Vous nous avez interpellés au plus. Oui, je suis. Maître Kouyaté, bonjour. Oui, bonjour. Vos clients viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Quelles sont vos premières réactions? Je confirme que mon client, le président Ibrahima Kassori Fofana, a été effectivement placé sous mandat de dépôt aujourd'hui. J'ajoute que la procédure qu'il a amenée en prison est entachée d'une panoplie d'irrégularités que nous allons révéler devant l'opinion nationale et internationale à travers la déclaration que le collectif des avocats fera très très prochainement. De quoi le reproche? Et je crois que les chefs d'accusation sont connus déjà de tous. Vous ne voulez pas, vous n'allez pas m'amener à revenir sur ces chefs d'inculpation. Donc, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est de relever ces irrégularités et d'informer l'opinion nationale et internationale que mon client, le président Ibrahima Kassori Fofana, ne devrait pas aller en prison, qu'il ne mérite pas d'aller en prison. En quoi la procédure est entachée d'irrégularités? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces irrégularités? En fait, que la procédure n'a pas été respectée. Nous avons été pendant quelques jours devant à la gendarmerie, comme vous avez pu le savoir. Aucune charge particulière n'a été relevée contre mon client. Aucun fait précis n'a été relevé contre lui. Les questions étaient d'ordre générique et il a répondu à ces questions de façon satisfaisante. Donc nous ne comprenons pas qu'il se retrouve aussi brusquement en prison. Sur quoi il a été interrogé? Bon, je crois que maintenant je ne pourrais plus continuer parce que vous savez, je suis tenu doublement au secret. D'accord. Je suis tenu au secret professionnel et je suis tenu aussi au secret de l'enquête. Oui, okay, juste. Je ne pourrais pas continuer. Oui. Néanmoins, confirmez-vous qu'il est poursuivi sur la base de la flagrance délit? Maître. Je ne confirme rien. Non, maître, quelles sont ses conditions de détention? Non, ça je ne peux pas vous dire.